le royaume des cieux. L'épisode d'aujourd'hui, le coup de grâce. Nous voulons aujourd'hui vous inviter à effectuer une recherche que vous n'avez peut-être jamais faite. Les endroits les plus difficiles d'accès. Lesquels seront-ils? Dans cette liste, nous trouvons des montagnes, des cavernes et des endroits construits par l'homme. Le K2 au Pakistan, la deuxième plus haute montagne du monde. Fort Knox, où est situé le dépôt d'or des États-Unis. La zone militaire restreinte, connue sous le nom de Zone 51. Le cratère de Bozav, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais dans cette liste, il manque l'endroit le plus difficile de tous. Isolé en haut, il devrait y avoir le royaume des cieux. D'ailleurs, il ne manque pas de mythes sur cet endroit. Ce qui justifie peut-être le fait que tant de gens croient qu'il est destiné aux personnes bienveillantes et qu'il suffit de ne pas faire certaines choses pour y aller. Ou qu'il est possible de se purifier des péchés dans un purgatoire après la mort, avant d'aller au ciel. Ou même que Dieu accepterait tout le monde là-bas, indistinctement. Des mythes qui finissent par masquer la véritable essence de cet endroit. C'est la raison pour laquelle très peu ont réussi à y parvenir. Pour une raison. L'une des principales caractéristiques du royaume des cieux est la justice parfaite. C'est pourquoi personne n'y entre par de bonnes œuvres. Le salut vient uniquement par la foi en Jésus, en obéissance à sa parole. Alors que ce monde s'efforce de devenir la succursale de l'enfer, le royaume des cieux est un endroit de pure sainteté que nous recevons de Dieu, sans mériter le droit d'être sauvés. Le nom de cette faveur est la grâce. Mais serait-il juste de se nettoyer par son sacrifice et de continuer à vivre dans la saleté? Y a-t-il un secteur en particulier qui vous fait manquer la cible? Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de cela. Mais vous avez certainement été victime de ces stratégies à de nombreuses reprises. C'est le département marketing de l'enfer. Ils travaillent jour et nuit pour convaincre les consommateurs d'acheter les idées du diable et empêcher qu'ils n'atteignent le ciel. L'une des idées promues par ce secteur est que, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Car la grâce de Dieu serait suffisante pour garantir le ciel, même pour ceux qui restent dans le péché. En croyant cela, qui s'efforcera de rester dans la foi? Si vous regardez les actualités, vous avez sûrement entendu parler d'arnaques financières attirées par l'argent facile. Ceux qui tombent dans ces arnaques acceptent de faire des dépôts pour l'escroc et finissent par perdre tout leur argent. Spirituellement, le coup de grâce fonctionne également de cette manière. Ceux qui sont attirés par cette idée trompeuse veulent le salut sans sacrifice et acceptent de parier là-dessus leur éternité et leur âme. Ils consomment le péché et espèrent qu'à la fin, la grâce et la miséricorde payent la facture pour pouvoir pécher à nouveau. Le département du marketing de l'enfer mélange le vrai et le faux pour créer des demi-vérités en utilisant même la parole de Dieu. Faites très attention.
Celui qui tombe dans cette arnaque perd bien plus que de l'argent. Il perd son âme. La vérité est que la grâce n'est pas gratuite. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Autrement dit, se séparer du péché est un prérequis pour le salut. Ne vous laissez pas tromper. Pour l'éternité avec Dieu, il est nécessaire de passer d'abord par la repentance. Et c'est l'étape obligatoire de celui qui se repent. Le symbole de celui qui est mort pour l'injustice. Celui qui ne passe pas par ici aura du mal à entrer là-bas. C'est seulement avec une attitude de repentance et une vie d'obéissance à la parole de Dieu que vous quittez le royaume de ce monde et vous êtes éligible pour passer l'éternité à l'endroit qu'il a préparé. Et cette décision vous appartient entièrement.